Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou Mike. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 10 du pass de combat de la saison 5. Donc tout simplement quand vous aurez fini 10 semaines complètes différentes, 10 semaines tout simplement de la track, ou quand vous aurez fini toutes les 10 semaines, vous débloquerez l'hashtag 10 écran de chargement. Donc je vais vous montrer c'est quoi l'image. Donc l'hashtag 10 elle est ici, voilà c'est celle-ci. Et dans cette image, normalement, il y a une bannière secrète cachée. Donc, on va essayer d'analyser un peu tout ça pour vous montrer l'emplacement exact de cette bannière gratuite cachée de la track. Donc, si vous n'avez pas cet écran de chargement, la bannière n'apparaîtra pas. Très important, parce que sinon, j'ai déjà vu pas mal de personnes qui me disent « Oui, mais je trouve pas l'étoile secrète ou la bannière. » Ben, c'est parce que vous n'avez pas encore débloqué l'écran de chargement hashtag 10, très important. Donc là, je vais la sélectionner et on va analyser l'image. Avant toute chose, je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 qui me prête son compte parce qu'il a fini ses défis comme d'habitude en avance sur moi. Donc grosse dédicace à lui et merci à toi de me prêter ton compte. Je mettrai sa chaîne en description donc n'hésitez pas à aller vous abonner si vous ne le connaissez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui le feront. Voici l'écran de chargement hashtag 10 de la track juste devant vous. Donc regardez bien, quand je vais zoomer dessus, on voit un G8, H8, G9, H9, H9. Donc vous allez voir sur la carte, on va regarder ensemble où est-ce que ça se situe ce G8, H8, G9, H9. Alors G8, donc le G il est ici, voilà, le H il est juste à côté, le 8 il est ici, donc H8, G8, 9, à mon avis c'est juste ici, vraiment à l'intersection des carrés, donc juste ici. Donc on va aller voir ça et normalement il y aura une petite bannière secrète qui nous attend. Alors voilà, c'est près de Paradis Palm. J'arrive à l'endroit exact. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est sur cette petite tache verte là? Non. Est-ce que c'est près de des palmiers? Non plus. Attendez, je cherche et je vous tiens au courant dès que je la trouve. Ah, elle est là. Ah oui, c'est vraiment en plein milieu du rectangle. Regardez en haut à droite. Sur ma petite carte, c'est vraiment à l'intersection des carrés, juste ici. Donc c'est un lama, voilà, le lama disco. Donc, voilà, trouver la bannière secrète validée. Maintenant, obligé, vous devez vous suicider si vous voulez valider votre bannière secrète, sinon ça ne sera pas comptabilisé. Donc je vais me suicider, ou alors tout simplement vous finissez la partie. Hein. Mais il faut surtout pas faire option quitter la partie parce que sinon ça ne validera pas. Donc là, normalement, je vais pouvoir atteindre assez de hauteur pour me suicider. Et ciao! Peace! Nice! Ensuite, je fais rond et vous allez voir que j'ai la bannière secrète. Casier, bannière. Et là, on cherche la nouvelle bannière. C'est celle-ci, non? Non, c'était pas celle-ci. Non, c'est celle-là. Voilà, donc c'est juste le lama disco en blanc pour un fond de couleur que vous désirez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Grosse dédicace à AshrafFRBX. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était soit cool Mike et ciao. Peace.